plusieurs nouveautés. On peut commencer par l'électroménager avec une toute nouvelle machine qui arrivera sur cette fin d'année, qui s'appelle Centum, qui a plusieurs innovations. Alors, c'est une machine connectée qui permet d'être connectée via du Wi-Fi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra faire évoluer ses programmes, en télécharger des nouveaux en fonction de ses besoins. Par exemple, on attend un enfant, on pourra télécharger un programme bébé. Ses enfants grandissent, on pourra télécharger un programme sport un peu plus costaud pour laver les t-shirts après le foot, par exemple. Et ainsi de suite, il y a plusieurs idées qui peuvent venir, ça peut être plus spécifique, avec des programmes lingerie aussi. C'est aussi une machine qui a été améliorée d'un point de vue mécanique, avec son système de suspension qui est proche de celui utilisé dans l'automobile. Alors ça a plusieurs intérêts. Un des premiers dont on va tout de suite se rendre compte, c'est moins de bruit. On tombe à 56 décibels en utilisation normale et ça monte à peine à 67 décibels lors des phases d'essorage. 56, 67, c'est des niveaux de décibels comme une conversation. Donc c'est particulièrement intéressant. L'autre bénéfice, c'est comme on réduit les vibrations, les bruits, etc. On a pu aussi la rendre plus compacte et faire en sorte que cette 12 kg, le tambour, soit plus proche des cloisons. Et on évite ainsi les effets potentiellement de choc avec les cloisons de l'appareil. Voilà, c'est donc une machine qui sortira sur cette fin d'année, 12 kg à moins de 2000 euros. Alors, autre nouveauté, ça sera pour l'année prochaine. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une armoire, ça ressemble à une armoire. C'est en fait le LG Styler qui va vous permettre de défroisser, mais aussi d'enlever les bactéries, puisque c'est une armoire quelque part à vapeur qui a son utilisation optimisée avec 3 articles plus un costume, par exemple, que l'on peut mettre dedans, et vous voyez qu'ils vont être donc nettoyés dans une certaine mesure à base de vapeur. Donc c'est écologique aussi, et ça permet de désodoriser, de défroisser et d'enlever les bactéries. Ça sortira très probablement l'an prochain, cette nouveauté. C'est déjà disponible aux États-Unis et ce sera à moins de 3000 euros. On n'a pas encore fixé exactement les conditions du prix. En blanc, on aura autre chose, puisque on ira vers des capteurs intelligents qui vont vous permettre notamment de rendre intelligent une machine à laver qui pour l'instant n'est pas connectée encore. Alors, ce sont des petits capteurs qui peuvent se déposer très simplement, par exemple, sur une machine à laver, mais aussi sur une climatisation ou sur une porte. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces petits capteurs? Ils vont enregistrer les vibrations, les chocs, les changements de position, la température, l'humidité. Ça veut dire que, par exemple, il va vous informer, ce capteur, que le cycle est terminé. On va aller voir ça ici. Voilà, donc ce sont ces petits capteurs qui s'appellent SmartThingQ, qui peuvent se déposer, comme on le voit ici, directement sur la porte de la machine à laver, et qui vont donc suivre les vibrations. Ça peut être aussi déposé sur une porte d'entrée, et lorsqu'il y a ouverture ou fermeture de la porte d'entrée, vous êtes informé. Alors, imaginons un scénario, vous êtes chez vous, vous voulez savoir ce qui se passe. Vous pouvez également aller un peu plus loin, parce que non seulement vous aurez l'information sur l'ouverture ou la fermeture des portes, mais ça peut se configurer avec un autre appareil comme le robot aspirateur, le futur qui arrivera l'an prochain également, et qui lui a une caméra intégrée. Cette caméra intégrée pourra par exemple vous informer à ce moment-là de qui rentre après l'ouverture de la porte qui aura été signifiée par le capteur. Voilà. C'est le début de l'histoire des objets connectés liés à la maison. LG veut définitivement faire partie de cette début de l'histoire en proposant des solutions intelligentes comme on vient de les évoquer. On peut aussi le mettre avec une climatisation et du coup être informé de niveau de température, est-ce qu'il faut agir ou pas agir. On peut le mettre sur un berceau de bébé aussi pour savoir s'il s'agite ou s'il s'agite pas. Voilà. Il y a plein de possibilités, c'est encore une fois le début des objets connectés pour la maison. Et voilà, une belle illustration on pense pour l'avenir. Alors, pour donner un ordre de prix, on le proposera pour l'instant aux États-Unis. On fera un pack de 5 petits capteurs plus le routeur pour que ce soit vraiment plug and play. Et ça coûtera 250 $. Oui, alors là, on assoit encore plus la stratégie autour de OLED. La nouvelle technologie, on pense, qui va tenir le haut du pavé pour tout ce qui est télévision sur les 10 ans qui vont venir.
je pense qu'on peut se risquer à aller jusque-là parce que c'est vraiment la technologie du futur, ce sont les nouvelles dalles qui vont permettre d'aller vers un niveau de contraste qui n'a encore jamais été atteint. Et le niveau de contraste, c'est quelque chose que tout le monde peut percevoir. C'est facile à expliquer en magasin, c'est facile à démontrer, et quand on fait des discussions avec des consommateurs, c'est quelque chose qui parle aux consommateurs. Alors l'OLED, c'est une prouesse technologique puisqu'aujourd'hui LG est la seule marque à pouvoir produire des télé OLED que l'on va découvrir un peu plus loin. C'est une prouesse industrielle parce que nous sommes capables aujourd'hui d'arriver à en produire pour l'ensemble de la planète. Donc ce sont des capacités de production qui ont été vraiment renforcées puisqu'on pense qu'il va se vendre à peu près sur l'ensemble de l'année 2015 400 à 500 000 télé OLED. Dans le monde, et on pense que ça va être à peu près 20-25 000 pour la France. Ça a bien commencé puisque au niveau du premier trimestre, au niveau mondial, il s'est déjà vendu 115 000 télé OLED. LG bien sûr, puisqu'aujourd'hui LG est encore à 90-99% la seule marque qui propose ce type de produit, ce type de technologie. Alors les bénéfices, c'est quoi? Il y a deux premières choses qu'on voit très rapidement. C'est le design, une ultra finesse, 4,8 mm d'épaisseur. Autant dire que c'est inégalé, ça se voit tout de suite, et c'est particulièrement plaisant à regarder et à mettre dans son salon. Et puisqu'on parle de regarder dans son salon, l'autre bénéfice, c'est la qualité d'image. On le voit sur ce type d'image, le piqué, non seulement en ultra haute définition, est renforcé par le contraste. C'est un contraste, on pourrait dire, ultime, puisque chaque pixel peut être allumé ou éteint. Ça veut dire qu'on peut avoir un noir complet et un blanc étincelant, et toute la gamme de couleurs est ainsi déclinée et très bien représentée. Donc c'est un vrai plaisir des yeux, c'est définitivement, nous pensons, la technologie pour les années à venir. Ouais, alors aujourd'hui, LG, la marque, est assez stable en étant co-leader du marché, ça va aider l'ensemble de la distribution et nous-mêmes, on l'espère, en travaillant bien ensemble, à soutenir le prix moyen et à faire remonter d'une certaine façon sur certains segments le prix moyen de la télévision dans les segments haut de gamme. Puisque ce sont des produits que l'on pourra trouver environ pour l'entrée de gamme autour des 2 500 €, bien sûr il y a des produits d'exception qui iront jusqu'à 25 000 €. Exactement, déjà une année 2015 a bien terminé ensemble sur cette fin d'année, et puis 2016 avec des perspectives en effet très intéressantes, que ce soit en télé, en lavage, en aspirateur aussi, avec la gamme Cord Zero sans fil. Voilà, des belles nouveautés qui, on l'espère, pourront intéresser l'ensemble de la distribution pour répondre aux besoins des consommateurs.